L'objectif du projet était de concevoir un bodyboard à destination des bodyboarders confirmés, en priorisant trois fonctions. La première fonction, l'intuitivité du produit, donc comment garantir la bonne utilisation du produit, bonne prise en main, bon positionnement sur la planche. La deuxième fonction est la durabilité du produit, donc menée sur deux axes. D'abord la solidité du produit qui doit résister à toute épreuve dans des vagues jusqu'à 1,50 m. Et le deuxième axe, baisser l'impact environnemental de la planche. Enfin, troisième fonction, les performances dans la vague, donc vitesse et maniabilité qui doivent permettre de faire les figures emblématiques du bodyboard 360 L Rollo dans un maximum de conditions. Et l'ensemble destiné à un public le plus large possible de façon à ce qu'il soit accessible avec un prix imbattable sur le marché, sécurité incluse, c'est-à-dire en fournissant avec la planche un leash. Nous avons choisi les meilleurs composants pour nos bodyboarders 500, ce qui donne un corps en EPO qui est un mélange entre polystyrène et polyéthylène, c'est un corps qui est étanche, et nous avons mixé ça avec deux stringers, un slick en HDPE recyclé et un deck en polyéthylène. Ce mix-là va nous permettre d'avoir un bodyboard qui a une très bonne relation entre prix, qualité et performance. En complément de notre bodyboard 500, nous avons créé le bodyboard 500 Mesh. Ce bodyboard-là a, dans sa partie slick, un mesh intégré qui va permettre d'augmenter sa rigidité et sa durabilité. L'objectif supplémentaire sur le bodyboard 500 Mesh, c'est sa capacité à aller chercher des vagues plus puissantes, jusqu'à 2 mètres, et d'intégrer notamment des figures plus aériennes comme le backflip. Par conséquent, et le contrôle en vague et la solidité, notamment au replaquage des figures, sont les valeurs ajoutées par rapport au bodyboard 500 classique. Ce shape est conçu pour avoir le bon équilibre entre glisse et manœuvre de par son shape rond et son tail large, ainsi pouvoir réaliser des manœuvres de type rollo ou 360. De plus, elle possède sur le deck un préformage main et rail qui facilite la prise en main ainsi que le bon positionnement du coude.